Et bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo sur les résultats d'admissibilité. Donc moi j'ai passé les concours en 2021, j'ai passé trois concours, Centrale, Minpon et XENS. Et aujourd'hui je vais vous présenter mes résultats d'admissibilité du concours XENS. Donc il faut savoir que j'ai fait ça en MP et qu'il faut choisir sa matière entre guillemets. Donc moi je me suis mis sur le concours filière MP, physique et option SI, avec parce que j'ai fait SI contrairement à d'autres qui ont fait option info. Donc, mais ça vous le savez déjà. Donc voilà, normalement sur votre écran s'affiche mon relevé de notes, encore une fois un screen que j'avais pris il y a presque un an. On peut voir qu'en français j'avais eu 12, donc c'est ma meilleure note en français des trois concours que j'ai passés. J'étais vraiment très content parce qu'en fait, en plus. Sur le concours XENS, on a 4 heures. Et donc pendant ces 4 heures, c'est qu'une seule épreuve, c'est la dissertation. Donc j'avais bien eu le temps de réfléchir à tout ça et ça m'a rapporté 12, donc ce qui est pas mal. Pour l'anglais, donc 9,5, c'était une synthèse en anglais plus une question à la fin, une question de développement. Et donc 9,5, donc j'ai presque 10. Je sais pas trop comment interpréter pardon, cette note, mais voilà, bon, je suis pas déçu ni très content. Maths A, donc 9,80. Ça, j'ai été plutôt content parce que dans cette épreuve de maths, il y avait quelques questions et quelques exercices qu'on avait déjà fait en cours. Donc finalement, ça m'avait permis d'avoir des points gratuits, quoi. Et donc j'avais dans ma tête plutôt bien réussi maths A. Et là, 9,8, presque 10 pour XENS, bon, je suis plutôt content. Math B, par contre, c'était plus compliqué. Et donc, le coefficient est un peu moins important, je crois, 7. Et donc, j'avais eu 7,6. Ensuite, l'épreuve de physique SI. Parce qu'il faut savoir qu'à XENS, ce n'est pas juste une épreuve d'option SI, mais de physique SI. Parce que j'avais choisi de passer le concours en physique et SI. Donc 9,3. Cette épreuve elle était extrêmement dure. Je me souviens avoir juste pris quelques questions. Il devait y avoir une cinquantaine de questions. J'avais fait quelques questions, toutes les 10 questions. Et du coup, voilà, j'ai grappillé des points. Et 9,3, j'étais plutôt content de moi. Ensuite, donc, ce qui normalement doit être mon point fort, la physique, j'avais 12,7. C'est ma meilleure note de toutes. Et donc j'étais plutôt content par rapport à ça. Mais comme vous pouvez le voir en bas, malheureusement, ce n'était pas assez pour être admissible à l'X. Parce qu'en fait, oui, j'avais demandé, enfin, de toute façon, quand on s'inscrit, c'est ça, en fait, on demande les ENS que l'on veut et si on veut passer l'X. Et moi, du coup, j'avais demandé à ne passer que l'X. Donc je ne sais pas quelle était la barre pour les différentes ENS. Mais donc là, on peut voir que la barre pour l'X, c'était 489. Et en tout, avec mes 50 points, parce que j'étais en 3,5 et pas en 5,5, j'ai eu 442 points. Donc voilà, je loupe à peu près à 50 points la barre d'admissibilité. Donc c'est dommage, mais bon voilà, j'étais pas assez fort, c'est tout. C'est les concours. Bah dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez été déçu ou pas de vos résultats et si certains d'entre vous sont admissibles à l'X. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur mes résultats d'admissibilité au concours XENS. J'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas en tout cas à me dire vos résultats d'admissibilité en commentaire. Et bonne chance et bon courage pour vos résultats.